Salut tout le monde, c'est Sape et c'est parti donc pour l'avancement de Saxus. Je vais baisser ma musique un peu quand même. Alors, l'avancement de Saxus. Côté stuff, il n'y a encore rien qui change. Hein. Parce que vraiment, je passais pour vraiment me faire des kamas et tout. Mais niveau XP, on avance. 25%. Et franchement, je joue pas beaucoup. On va faire un petit combat comme d'hab pendant ce temps-là. 25%. Franchement, je trouve que c'est pas mal. On est à un quart donc. Séquence, il y a un mois environ, je crois qu'on est 59. Franchement, j'en sais rien, mais je dirais un mois. Donc, franchement, 25%, moi je trouve que ça va. Bon, il y en a qui seront déjà à level 200 à l'heure qu'il est, mais bon. Pour moi, ça va vu que je joue vraiment pas beaucoup, quoi. Je joue même pas tous les jours, et quand je joue, bon, après ça me saoule un peu vite de faire toujours les mêmes mobs, donc bon. Non, franchement, ça va. Vu que j'XP, souvent je me fais des grosses sessions quand même hein, sur Free Ghost. Des grosses sessions qui peuvent peut-être faire 100-150 millions en un jour. Mais je le fais pas souvent en fait, j'attends qu'il y ait les étoiles. Mais oui, c'est pas mal d'attendre qu'il y ait les étoiles, comme ça pas besoin de jouer souvent. Et ça fait du bon pex. Donc on va faire un petit Stalak. Stalak c'est un des mobs les plus chiants de cette zone quand même. Hein. Pour un Sramfeu, vu qu'il a des bonnes restes-feu, enfoiré. Mais sinon il est pas très très dur, enfin c'est quand même l'un des plus durs, mais s'il fait très mal il tape de très très loin en ligne, mais qu'en ligne, donc il faut absolument éviter la ligne. Mais vu qu'il a 5 PM, c'est pas mal un 5 PM quand même. Ça dépend des maps en fait, il y a des maps où ça va être gérable sans trop de soucis, il y en a ça va être un peu plus compliqué parce qu'elle va être un peu petite. Et là il va essayer de falloir de jouer un peu mieux avec les pièges d'immobilisation, les pièges de répulsif et tout. Mais bon, c'est pas le meilleur mob à faire vu que c'est un peu le plus long à faire, hein, vu toutes les raies qu'il a. Hop. Combien il a de vita? 2800. Bon bah la vidéo va pas être très longue, hein, vu que j'ai pas grand chose d'autre spécial à vous dire, quoi. Bientôt partir en vacances, donc bon. Il y aura peut-être pas de vidéo d'avancement pour un petit moment, mais bon, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas trop de nouveautés. Il y en aura sûrement bientôt, hein. Mais ce sera même plus de l'avancement de Celsius. Aïe. Ce sera l'avancement de la team. Vu que je vais réabonner la team. La deuxième semaine des vacs. Je vais réabonner la team. J'ai fermé. Enfin, fermé. Je vais taper mes captures de drop. Donc, j'espère qu'il y a des trucs qui vont tomber quand même. Je serai un peu déçu sinon. En plus, je suis quand même opti prospection à max. Quoi. Merde. Donc, ce serait con de pas drop quoi. Allez, prochain tour, c'est terminé. Ouais, donc j'ai quand même pas mal de captures. Minotaur, je les ai vendus, mais Taurore, Dragon Cochon, des trucs comme ça. J'ai même d'autres machins que je vais les faire. Ça va faire pas mal de kamas normalement. Voilà, 2,5 millions, c'est pas énorme. Mais bon, 2,5 millions en 2 minutes 40, ça va. C'est un bon ratio. On a combien de temps là? Putain, on est que à 3 minutes de vidéo. Je vais quand même pas me laisser là. On va peut-être faire un autre combat quand même. 3 minutes, c'est trop peu. Je vais chercher un autre combat. Bon, je bug un peu avec ma musique en fond. Du très bon son, en tout cas que j'écoute. ODZN. Ah, je crois qu'il y a un mob intéressant. Ah ouais, un ventribulion, ça c'est très bien. Il a des faiblesses feu. Donc c'est vraiment assez rapide. Même s'il est un peu relou ce mob, mais vu qu'il a faiblesse feu, de toute manière, c'est quand même bien. Le challenge, j'ai carrément la flemme. Allez. Hop, ah non, un GO, je crois. Donc voilà, on va se faire une flamiche. Donc vous voyez que le stuff, j'ai un truc tout pourri, mais ça suffit amplement pour XP. Hein. Et puis tout l'XP que je fais là depuis que je vous dis là, c'est de l'XP que je fais en solo. Pour ça que moi je trouve ça va assez bien. Bon, il reste encore vraiment beaucoup d'XP, mais au moins j'avance quoi, je fais pas du sur place. ça va être assez frustrant quoi, si on XP trop peu, on est vite découragé. Mais là en plus je suis pas pressé, donc je prends mon temps, je me connecte de temps en temps. Des fois pour jouer avec des poteaux, des trucs comme ça. Quand j'ai du temps et tout, voilà. Faut pas se prendre la tête de toute manière. Hein. Faut jouer avec de la musique, de la bonne musique. Comme ça, ça passe mieux. Le ventri, là, il est bientôt mort. Vous avez vu, c'est très simple ce mob. Enfin, je crois même pas qu'il m'a touché encore. Il y avait juste un sort qui fait qu'il renvoie des dégâts au corps à corps, je crois, ou je sais pas comment. Putain, je suis invisible, il me trouve l'enfoiré.
Il suffit que je dise ce qui me touche pas pour que voilà quoi. Ah là là. Ouais, sinon je serais allé en ma convention le 3 et 4, pas le 2. Donc voilà, hein, si vous êtes. Si vous y allez, ça sera cool, fun fashion. Je serai avec les potos et tout. Ça va être assez marrant. Mais je ferai une vidéo, je pense, sur la chaîne principale pour dire tout ça. Petite vidéo rapide que je supprimerai après, à mon avis. 5 minutes 30, bah dis donc. Ça passe doucement, hein, mais bon, ça me dérange pas. Au moins, 5 minutes 30, c'est pas beaucoup de temps. Et j'ai fait du bon pex hein, avec ces deux petits combats là. J'ai allé dans la maison, dans la grotte, dans la caverne. Et souvent des étoiles. Est-ce que ça va être le cas? Pas sûr. Il y a un double ventri, mais j'ai pas trop envie de le faire quand même. Est-ce qu'on a pris 1%? Non, même pas. Donc il me reste 2 milliards 7. Et je suis à 25%, comme je vous l'ai dit. Donc un quart. Mais bon, je vous ai dit. Ah, je vais faire le carcanique pour finir. Comme je vous l'ai dit, il y a les captures là qui vont tomber. Donc ça va faire du pompex, ça, normalement. Enfin, le Minotaure, pas trop. Mais si je tape un petit peu de Minotaure, peut-être que ça va un peu XP. Je sais pas trop, on verra. Mais bon, ça va. Dans tous les cas, ça va prendre un peu d'XP. C'est toujours bien, quoi. Irox, bien ce truc, hein. J'ai 5 PM. Donc le Carcanique, je crois que je l'ai déjà fait plein de fois ce mob dans les vidéos, c'est très très simple. Vraiment pas besoin de se fendre la tête pour ce mob. Vous le bloquez et vous spammez vos sorts. Putain, il me trouve alors que je suis invisible, enfoiré. Allez, on va le bloquer comme ça. Hop. Voilà. Bloqué. Et là, c'est gagné. Donc c'est vraiment tout con quoi, même un level 100 il gère ça. Hein. Enfin un SRAM, mais bon même d'autres classes peuvent le gérer vu qu'il suffit d'être ça son cac. Et puis c'est pour ça aussi peut-être que si vous avez suffisamment de tacles, vous pouvez aussi également le gérer. Je pense qu'il vous faudra 70 de tacles environ hein, je dirais. Peut-être moins, non quand même peut-être moins 60 peut-être. Pour ce mob là en tout cas, il y en a d'autres qui en faut plus. Oui après c'est tout con et ça XP vraiment bien vu qu'il y a un petit peu d'étoiles. Ah, peut-être prendre 1%, remarque, je pense pas, mais bon, on sait jamais. Et puis avec la mise à jour là qui fait que vous avez votre vita à chaque fin de combat, c'est pas mal ça pour farmer. Parce que franchement, les mobs frigos, vous n'avez pas besoin de forcément prendre full vita, donc vous pouvez enchaîner sans prendre de pain. Voilà, 2 millions 5 en 1 minute 30. Très 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 rentable. Est-ce qu'on a pris 1%? Je pense pas, mais bon, ouais, non. Ouais, bon, y a rien d'autre. On va se laisser là. Hein. Ça fera 8 minutes de vidéo, ça va. Et au passage, en 8 minutes de vidéo, je crois que j'ai pris 8 millions. Hein. Donc 1 million à la minute, alors que je parle et que je. Entre les combats, je prends mon temps et tout, je monte des trucs. Donc c'est vraiment, vraiment. C'est quand même assez rapide, moi, je trouve. Donc voilà, c'était ça pu. Lol. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, comme d'hab. Hein. Et puis voilà, bye.